Allez, Philippe Allaire, c'est fait, Feeling Cash, tiens, enfin, son groupe 1. Exactement, non, ravi, on l'a dit plusieurs fois déjà sur le podium, et je vous le dis maintenant. Non, si un cheval méritait un groupe 1, tous les chevaux méritent des groupes 1, ils sont groupe 1, mais troisième du Cordelier, second groupe 1, enfin bref, le troisième du Normandie, Ferré. Non, je suis ravi, je suis fier de mon cheval, je suis très content, Eric a monté une course parfaite. Je pensais qu'il allait faire l'intérieur de la Bourbon, et en fait non, il est resté derrière. On a emmené la Goutier, et il a bien décramponné la Goutier sortie de tournant, il a monté une grande course. Rafa, on donne pas d'or, il sait tout faire. Je suis content pour Eric, je suis content pour mon cheval, content pour Lerner, Carlos Lerner, Monsieur Arano. Enfin, je suis content tout court, quoi. Je suis content pour nous trois, voilà. Je suis ravi de mon cheval, je suis fier, il passe le million d'euros en gagnant un groupe 1, c'est génial. Il méritait vraiment son groupe 1, il avait été battu un jour par un cheval pas terrible d'allure. Enfin bref, on va pas refaire l'histoire, on va se rappeler que du bon. 10-6 avec du vent. Ah, c'est génial, il marchait déjà 11 la dernière fois sur une jambe. Non, c'est bien, puis j'ai pas pu le déférer parce qu'il a un petit décollement de talon. Petite sème, vous qui étiez maréchal, Christophe, vous savez ça mieux que moi. C'est pour ça que je l'ai pas déféré dans le Normandie, il avait des brodequins, les autres avaient des baskets, hein, vous voyez ce que je sais quoi. Hein. Et puis il avait 100 grammes, déféré des postérieurs. Eric aime beaucoup déférer des postérieurs, j'ai pas pu le faire. J'ai voulu garder pour les élites, je suis très content, je suis ravi. La suite pour lui? La suite pour lui, c'est un peu de calme maintenant, c'est l'hiver, on prépare le Cornouli. Voilà. Et là, vous pourrez peut-être le mettre pieds nus. Ah, c'est pas d'ici là, vous savez ce que c'est qu'un pied. Hein, ça pousse combien de centimètres par mois? 8 mm par mois, ça dépend. Ça, un petit centimètre, ouais, 8 mm, on est bien, on est dans les délais, ça devrait aller. On est sur le bon chemin. J'ai la chance d'avoir un bon maréchal qui s'appelle Xavier Moreau, que je salue. Voilà. Merci Philippe, et encore bravo. Merci.